On est au village de pêche sur glace de la base plein air Sainte-Foy. Je suis avec Philippe Tambourgie de la Fédération des travailleurs gestionnaires du Québec. Comment ça va? Ça va très bien. Vous êtes impliqué dans le village de pêche, proprement dit. On touche une certaine relève ici. De quelle façon puis pourquoi vous êtes impliqué dans le village de pêche? En fait, nous, on est partenaire de la base plein air. Notre siège social est à la base plein air. Puis on est impliqué dans toutes les activités de relève. Dans le fond, quand on fait de la relève pour de la chasse, pour de la pêche, pour nous, ça fait un potentiel de clientèle pour des trappeurs. Puis qu'est-ce qu'on compte faire pour l'événement de pêche sur glace? Bien oui, on fait de la promotion, de diffusion de l'information, mais on va avoir une activité la première fin de semaine de la semaine de relâche, 4, 5 et 6 mars, oui. Où on a une association régionale qui va être là pour donner l'information sur le piégeable, présenter les animaux piégés, on va avoir des fourrures d'exposés, puis on va remettre aux enfants des cahiers d'activité du mini-trappeur. C'est bien cool, ça! C'est très, très cool! Ça, c'est la FTGQ qui a pondu ce petit guide-là? Oui. Ah, il y a du à colorier en plus, ces jeux de différence, toutes les choses que nos enfants... Ah, il y en a à la maison qui vont être contents. On en a qui aiment bien gros faire l'identification des animaux, à relier qu'est-ce qu'ils vont ensemble. Donc, bien cool, ça. Ça, on va en remettre, dans le fond, première fin de semaine de la semaine de relâche. Donc, on est ici, on accueille les gens qui vont venir pêcher. Et sur place, on va remettre ça, puis on va avoir des gens qui vont donner l'information sur les fourrures. C'est ça. C'est possible qu'il y ait d'autres dates qui s'ajoutent, mais ça va dépendre de la disponibilité des bénévoles. Donc, à suivre sur le site de la base plein air. Absolument. C'est votre espace pour savoir ce qui se passe ici, l'espace faunique de la base de plein air de Sainte-Foy. Donc, vous allez le trouver à partir du site principal très, très, très facilement. Cherchez espace faunique, vous devriez le trouver. Philippe, un énorme merci. Merci beaucoup.